Ah, et le revoilà, l'emplumé de service. Quoi? T'as pas vu ta tête? Non, c'est bon, je rigole, oiseau, je rigole. Ah, et d'ailleurs, à ce propos, je voulais te dire quelque chose, mais qui... Voilà, je peux plus le cacher en moi. Ouais? En fait, voilà, comment dire ça avec tact? Eh bien... Tu vas chez le coiffeur. Qu'est-ce qu'il y a, oiseau? Ils sont très bien mes cheveux, d'accord? Ouais, tu parles, si on te met la tête à l'envers, on dirait une serpillière. Et en plus de ça, si tu vas dans la forêt, que tu dois Oui, ramper sous d'accord, des buissons, dans des barbelés, tu vas ok, rester accroché à c'est l'arbre. bon, c'est bon. J'ai compris, c'est bon. Prochain épisode, ils seront coupés, ok? Très bien, j'ai noté. Voilà, comme ça, c'est dit. Oui, et bien pour fêter cette promesse impulsive, je vais te confier une nouvelle mission. Ben voyons. Je n'ai pas trop d'informations sur la localisation de la cache, mais par contre, le décor te semblera familier en fonction d'un précédent épisode. Bien, si tu penses que ce sera aussi facile qu'un épisode précédent que qu'on a déjà fait, ben. Tu verras. Bah alors, vas-y, tu peux lancer. Oiseau, tu arrêtes! Salut à tous et bienvenue dans ce venteux mais agréable épisode Geocaching le 116. Écoute, après cette grosse vague de chaleur, j'ai envie de dire que ce vent n'est pas désagréable, hein, bien au contraire. Donc aujourd'hui on va partir pour une cache qui est alors là très clairement au milieu de la campagne. Mais quand je te dis la campagne, c'est qu'on ne peut pas faire mieux. Ok, donc je suis sur le chemin menant vers la cache, hein. Comment dire? On a beau être en rase campagne, franchement le paysage est magnifique. Par là on voit les montagnes. Et l'atmosphère est très bien dégagée puisqu'il fait en fait un petit peu humide. Là, il y a un vent frais qui souffle, c'est juste très agréable. Et comme l'atmosphère est humide, et bien toutes les poussières restent au sol. Du coup, ça donne vraiment une qualité d'air bien dégagée. Voilà, alors du coup, bah, j'espère que le vent ne perturbera pas trop. En tout cas, voilà, donc a priori la cache serait près de ces arbres-là. T'as pas une impression de déjà-vu? Alors ça me fait penser à l'épisode 108, bâtiment isolé. Et si tu te souviens bien de cet épisode, eh bien tu connais maintenant les démarches qu'on va prendre. Alors c'est parti, on va commencer par faire le tour de ce site. Je pense que la cache devrait être par ici. Ah, ça souffle bien, hein. Donc on va d'abord... Et non. Donc je disais, on va d'abord faire le tour du grillage, et ensuite, si on n'a rien vu de suspect, on va faire un petit peu attention au grillage, parce que ça, généralement, les caches dedans, c'est assez connu, hein. Bah dis donc, voilà un épisode qui décoiffe, hein, très clairement. Mais bon, ça, normalement, c'est promis, hein, comme je l'ai dit à Oiseau. Prochain épisode, ce sera chez le coiffeur.
Alors oui, c'était une bonne idée qui est la vôtre de vous réfugier ici, juste derrière ce petit édifice. Au moins ici on est protégé du vent. Donc c'est une boîte, c'est en verre, hein, attention c'est du verre. Je reconnais très bien ces petits pots là en fait, ce sont tu sais des pots pour les épices. Donc du coup à l'intérieur qu'est-ce qu'on a? On a un logbook. Bon, il n'y a pas de surprise à ce niveau là. Je dirais même que tant mieux. Ah oui, par contre, il y a l'eau de moitié du logbook. Bon, c'est pas grave, hein, de toute manière, peut-être qu'il était plein. Et on a celui actuel, on voit qu'il a été un petit peu rongé par le temps, mais il est sec et il est encore très, très utilisable, hein, donc on va signer, c'est parti. Voilà, c'est signé. Bah, je dirais que ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est vraiment l'environnement qui est assez, qui est même très vaste. On est complètement dans la plaine là, si je puis dire. Oui, voilà, c'est ça. On est dans la plaine, hein, très clairement. Alors, hop, je remets le logbook à l'intérieur. Bah, niveau humidité, je dirais que il y a une chance sur deux. Mais il a tenu jusque là, hein, donc pour la suite, on n'a pas peur, hein, vraiment. Bon, bah voilà, c'était un épisode rapide, et comme je l'ai dit, c'était du déjà vu, hein, épisode 108. Oiseau, tu pourrais un petit peu varier les plaisirs, s'il te plaît. On se dit à tous à la prochaine dans l'épisode 116 Geocaching, si j'ai pas perdu le compte, mais normalement non. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on fasse, et à très bientôt.